on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je tourne à la bourre, d'habitude je tourne le samedi pour le mardi, là on est lundi pour mardi. Donc il fallait une vidéo très courte, hein, aussi bien à tourner qu'à monter parce que clairement je dois faire un live après et tout. Après mon live, c'est-à-dire que je vais devoir faire du montage. Donc il fallait quelque chose de rapidement court. Du coup j'avais pas d'idée en tête de trucs assez courts. Du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu sais pas quoi faire? Tu vas piocher chez les autres. En l'occurrence, je suis allée voir la chaîne de ma petite Nénès. Et elle avait fait un challenge qui s'appelle le Genetics Challenge. Et ça avait l'air, ma foi, assez rapide à tourner et à monter. Je me suis dit, c'est parfaitement ce qu'il me faut pour un truc rapido, tranquillou, bilou, et qu'on s'éclate un petit peu et qu'on s'amuse. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous raconter peut-être les règles. Je vais vous raconter, on dirait c'est une folle aventure. C'est une épopée. Je vais vous raconter la mauvaise histoire du challenge. Mais déjà on va se trouver une partie. Voilà. Alors, attendez, je vais baisser le son là parce que la musique des Sims 4 ras la quichette. Comme d'habitude je suis énervée. Je suis énervée de ouf. C'est toute ma life, j'ai l'impression. J'allume la caméra et ça y est, j'ai les côtés joyeux de moi-même qui ressort, fois mille. Parce que juste avant, j'étais tranquillement en train de faire mes trucs. Hein. Bref, arrêtons de perdre du temps, arrêtons de blablater, s'il te plaît. Mon temps doit être court. Alors, les règles du challenge. Les Sims doivent être 100% aléatoires. Créez une femme puis un homme en commençant par les rendre tout entiers aléatoires. Cette étape définira la structure de votre Sims quant à sa corpulence. Dans chaque session de création où l'on trouve un dé aléatoirisé, je note ce qu'elle a marqué, hein. Le Sims, sauf pour la corpulence définie par l'étape précédente. Une fois vos deux Sims créés, les deux l'outil générique pour leur faire avoir un enfant ou bambin, l'aléatoiriser 4 fois, ce sera donc le 5e enfant ou bambin qui sera choisi. Faire grandir cet enfant, comment elle a écrit enfant, de nez du dos ou bambin, un adolescent puis le relooker. Attention toutefois, il ne faut pas toucher à ses traits physiques ni sa couleur de cheveux. C'est au viewer de décider si le challenge est réussi. Donc vous me direz si c'est réussi. S'il vous plaît, là, les notifications. Que diable. Alors, dommage, j'aime bien cette Sims, mais il faut l'aléatoiriser. Donc, je vais la changer. On est sur ça. Bon, la corpulence, ça va. On est bien. Alors, j'ai vu Nénès, elle mettait les prénoms aussi. Ce sera Stéphanie Rousseau. À quelques trucs près dans le nom de famille, ma marraine s'appelle comme ça. Bon, on va éviter d'essayer de perdre du temps. Je suis déjà en train de faire de la merde. Alors, le visage. Alors, pour le visage, on va faire aléatoire. On va s'arrêter sur ça. Oh, mais elle est choupinette. On part plutôt bien. Alors, détail de la peau, on n'a pas de dé. Les dents. Je vous regarde parce que comme ça, ça m'évite de... entre guillemets, c'est regarder l'écran et d'avoir ce truc pour arrêter un peu au bon moment. Là clairement on n'est pas sur un bon truc. Cicatrices, oh là on a des cicatrices, attendez. Elle a une petite cicatrice. Ah ouais, voilà frère. C'est une battante, ok, elle se bagarre. Ah oui ouais, c'est clairement bastonné. Mais ouais, mais ça maintenant on en a tout le temps. Je vais éviter d'en mettre trop. Parce qu'en fait on n'a pas la possibilité de les enlever en fait, je me rends compte. Ouais, je vais pas être qu'une seule cicatrice sur les 3 parce que sinon ça fait beaucoup. Nénès, elle a fait ce challenge en février 2017. Bah presque un an près. Dis donc, le 6 février 2017. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi sa vidéo est en horaire partagé. Je poserai question. Et voilà, je suis encore en train de divaguer. Voilà pourquoi je perds trop de temps après, on s'étonne. Alors, forme de la tête. Ça va, ma foi. Attendez, j'ai envie d'enlever les accessoires et en même temps j'ai peur de faire une connerie. Donc, bah ouais, mais je suis obligée. Voilà. Ah, les yeux, elle est pas aidée, hein. Oh, elle est kiki. On va enlever à sortir au sourcil. Oh, j'espère qu'on va pas rester sur cette couleur de cheveux parce que ça va jurer, hein. Le pif. Moi-même, ayant un pif particulier, je vais pas pouvoir cracher dans la soupe. J'ai quand même envie de cracher dans la soupe. Elle est pas ouf, elle est pas ouf, mais il y a pire, il y a pire. Ça va, ça passe. On est sur du bien. Des joues. Ah ouais, moyen moins là. La mâchoire. Elle a pas un visage méga harmonieux. Je sais pas vous. Oh, ma zette, ma chérie. La nature ne t'a pas gâté, mon petit. Clairement pas. Le maquillage. On a rien. Les accessoires. On a rien. Ah, les chapeaux.
Allez. Ben ouais, on verra pas ses cheveux. Ouais, non, on va pas mettre de chapeau du coup. Mais non, parce qu'en plus on voit pas ses oreilles, ce serait dommage. Les cheveux. Pitié, s'il vous plaît, petit Jésus, entendez ma prière, il nous faut des cheveux longs pour cacher ses oreilles. Elle avait eu trop de chance, Nénès. Mais pourquoi? Ben, soit on a eu des cheveux longs, techniquement elle a des cheveux longs. Ils sont juste attachés. Ah, puis ses dents. Stéphanie, t'es peut-être pas gâtée par la nature, mais c'est pas grave, mon petit. Oh, on n'a pas choisi le meilleur rôle non plus, hein. Elle a un swaggy swag, personne ne peut la tester là. Hein. Qui peut tester Stéphanie là? Personne. Oh, franchement, la tenue peut passer. Ferme un peu les yeux, ma foi. On va passer à son compagnon qui va s'appeler Eric Fontaine. C'est bizarre parce que mon papa s'appelle Eric. Eh, en vrai, il est mignon lui. J'avais jamais vu encore. Bon. Ah, la moustache, c'était peut-être pas nécessaire, quoi. Alors, le visage. Oh, les oreilles, frérot. Non plus, t'as pas été gâté, hein. Alors, les dents. Ah, bah, les bagues. Les bagues ou les dents dorées. Notre enfant va être mal parti dans la vie, je vous le dis. Cicatrice, sourcil, cicatrice, œil. On va partir sur cicatrice. Non, joue, on n'a pas un dé. Madame Ned. Alors, le front. Ah non, les sourcils. Les sourcils verts. Je suis si triste. Les yeux, s'il vous plaît, changez-nous les yeux. Faites-nous quelque chose de beau là. Il a le nez qui va à peu près avec ses yeux. Parce que si le reste, ça va. Ça passe. Les oreilles. Ah, il y a des oreilles normales. Dieu soit loué. Merci Jésus. Mâchoire. Franchement, ça va. Là, il fait un peu yakuza. Tout. On va faire la moustache, pas sortir aux cheveux, évidemment. Qui suis-je pour juger? Mais enfin. Bon, on va voir, peut-être que les cheveux vont tout rattraper ou tout défoncer. C'est au choix là. Ah bah on n'a pas rattrapé le coup là. Là non. Là on s'enfonce. On creuse. Comme ça là. Alors non, ça c'est pas creuser, c'est nager. Il n'est pas aidé, hein. En plus, il a un gros bidou. Allez, mettez-nous des belles fringues au moins. Je suis un peu déçue. Je suis clairement déçue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les chaussures. Le bowling. Je suis triste. Alors, jouer avec la génétique par inconnu. Bah non, Stéphanie. Je veux une fille. Parce que comme le dit Sylvia Inès, en vrai, elle est trop kiki là comme ça. Comme le dit Sylvia Inès, on peut plus faire de choses pour les relooking. Alors, vous connaissez ma malédiction des bambelos. C'est-à-dire que quand je fais des bambins, ils sont mignons. Quand ils vieillissent, ils sont plus très beaux. Mais là, franchement, voilà frère, elle était trop kiki. Alors, une, deux. Oh, mais même là, elle était mignonne. 3. Oh, ses yeux avec cette couleur de peau, ma chérie, c'était magnifique. 4. Je connaissais pas ce petit haut là. C'est pas un truc avec mise à jour. On va éviter de s'éparpiller. Attention, la dernière, c'est la bonne. Voilà, frère, ses sourcils sont un peu bizarres, mais ma foi, ça passe. Tu t'appelleras Jeanne. Elle est où, Jeanne? Voilà, c'est tout ce que ça veut. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit du coup? Faire grandir cet enfant ou ses bambins? Jeanne. Alors, en enfant, t'aurais donné ça. Eh, ses sourcils, ça fait bizarre. Hein. En même temps, c'est la mode des gros sourcils, donc pourquoi pas. Et en ado? Voilà comme elle est trop belle. Pourtant, c'était pas gagné avec les parents. C'est un petit canon là, regardez-moi ça là. Oh là 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 là, Mamma Mia!
Eh, moi je suis son daron, je la laisse jamais sortir. Moi je l'enferme chez moi, hein. Je vous préviens. Hein. Yushin, une fille comme ça, elle sort pas voir le monde. Hein. J'ai l'impression que c'est ma progéniture, tu sais, j'en suis fière. Je n'ai rien fait, hein, mais Jeanne est très belle. Très très belle. Et il faut pas toucher ni à ses traits physiques, ni à sa couleur de cheveux. Ah, moi je laisse ses cheveux comme ça, ils sont trop beaux, ma chérie, pour toucher à quelque chose là. C'est un canon, c'est un canon, c'est un canon. Je vais essayer de ne pas faire un look classique. Comme Nénès, elle avait fait en fait dans son challenge. Parce que je trouve ça bien plus marrant en fait d'essayer de faire des Sims qu'on n'a pas l'habitude. Parce que là, carrément, elle est belle. Tu lui mets. Regardez son corps, sa corpulence, elle est plutôt pas mal. Donc en soi, elle va être bonne et belle dans toutes les tenues qu'on va lui faire. Donc j'ai envie de lui mettre un petit look un peu spécial. Donc, je vais essayer de changer par rapport aux tenues que j'ai l'habitude de mettre. Et on verra ce que ça peut donner. Je cherche un pantalon. Introuvable. Où es-tu, petit? C'est pas celui-là que je veux, mais c'est dans le même style. Ah, j'hésite entre celui-là et celui-là. Inès, elle avait mis des tatouages, donc j'estime qu'on a le droit à des tatouages, du coup. Alors voici sa tenue normale. J'essaie de lui donner un style. Parce que j'aimais trop ses cheveux. J'aimais trop ses cheveux. Je trouvais que ça lui allait trop bien pour les changer. Je lui donnais un espèce de look parce qu'elle est adolescente. Je sais pas, un espèce de look mi-adolescente, mi-aventurière de la night. Tu vois? Et donc ça donnerait un espèce de truc un peu badass comme ça. Je trouve qu'il lui va divinement bien. J'aime tellement, je la trouve trop belle. S'amener devant Jeanne et dire je suis plus badass que toi. À part Lara Croft, je ne vois personne pouvoir dire ça. J'espère que ma petite Jeanne vous plaît. Je la trouve trop belle. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle est. Elle fait fondre mon petit cœur. Voilà. J'ose le dire et je l'affirme. Elle est trop kiki. Du coup, j'espère que ce génétique challenge vous aura plu. Du coup, selon la petite description de Dénès, c'est vous qui devez me dire si le challenge est respecté, sachant que clairement, les parents ont été dans le caca, mais alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont donnés et ils ont fait une sublime fille. Et c'est vrai qu'avec ces cheveux-là, ses cheveux faisaient une grande partie de sa beauté, même s'il n'y a pas tout, hein. Mais c'est vrai que ces cheveux-là étaient tellement bien que je n'ai même pas voulu les changer. Et bah en tout cas, j'espère que j'ai réussi ce challenge. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip si mon travail vous plaît. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!